Dans le tout nouveau temple lyonnais de la consommation, un espace conçu comme une pause. Le Ludopôle, près de 2000 mètres carrés dédiés aux jeux et aux jouets. L'association Quai des Ludes y a élu domicile. Elle accueille des enfants et leurs parents. Une ludothèque à but non lucratif qui se veut à la portée de tous. Il y a quand même un prix d'entrée, si on prend deux personnes, c'est 12 euros pour jouer deux heures pour les enfants, donc un adulte, un enfant. Après, il faut voir si c'est à la portée du plus grand nombre. Située auparavant dans de vieux locaux derrière le marché-gare, l'association avait peu de visibilité. Changement de décor. 20 000 visiteurs déambulent chaque jour dans ce centre commercial. Quai des Ludes espère bénéficier de ce flux. Pérenniser cette activité de service signifie aussi trouver des ressources propres en complément des subventions. C'est à nous aussi de trouver des nouveaux équilibres économiques, des nouvelles interactions entre des associations, des sociétés, des SARL, des SCOP au sein d'un même lieu pour que chacun justement trouve son équilibre. Trouver le point d'équilibre entre le jeu et le consumérisme.